Bon, voilà, c'est parti. Alors, une petite session, la session d'aujourd'hui a été une session de cut-out. Okay. Je vais se parler en anglais et en français en même temps. So I did a work of cut-out today and it was quite a job actually, because I have to visualize, you know, all the drawing that I've done, you know, how it would actually interact, because the cutting out, it has a purpose to make actually a 2D dimension with the expansion, the collapsing of the felt, collapsing in or out, you know. So that's what happened, and I'm gonna get on this case the ability to make three little wings, okay, for this butterfly. Then they're gonna stitch themselves from inside or outside, and with, for example, there's gonna be this wing is gonna be like that. Actually, you will hardly see it, but you'll see it actually. But that's gonna be a nice wing, this one. Yeah, it's like standing out of the hat actually. So voilà. Donc le but c'était de couper réellement le patron et d'arriver, c'est-à-dire un détail bien bien précis comparativement à une symétrie, à une bonne symétrie, ok. De toute façon, il n'y a rien de symétrique dans la nature ou chez l'humain. Fait qu'en partant du principe de quelque chose de vraiment handmade, ok, il y a aussi une symétrie naturelle, pour ne pas dire justement surnaturelle. Voilà. Du découpage et du stitching, hein, c'est sûr. Hein. On va pas chier dans la soupe, hein. Vous voyez, en fait on le voit bien, les ailes qui ressortent, et c'est ce qui va se passer, sauf que ces ailes, en fait, elles vont être faites en aluminium. Et oui, petit secret que je révèle tout de suite, en effet, mais voilà. Quelque chose qu'on peut travailler et tout, j'ai envie de vous le montrer, mais peut-être que je ne devrais pas vous le montrer justement. Mais je peux vous faire juste écouter le bruit. Voilà. Donc, je vais vous laisser encore dans le doute. Et vous en verrez plus à la prochaine étape. De toute façon, il y en a encore pour un petit bout de temps de conception de procédé pour faire les chapeaux, fait que on est là encore pour un bon petit bout de temps. En tout cas, c'est sûr que au moins jusqu'à lundi soir, voire mardi. Voilà. Non, c'était une très belle journée. C'était une très belle journée. Peut-être y retourner tout à l'heure d'ailleurs. Il va se repasser peut-être. Non, c'est super. C'est des ailes de papillon. Hein? C'est des ailes de papillon.
qu'on avait déjà vu de près. Moi, je suis assez content. Aujourd'hui, je suis plus content de moi, bien plus satisfait. I'm really more satisfied than yesterday, actually. I got a good inspiration, you know? But anyway, someone knows, then I've got a good inspiration, and I'm nicely inspired in these days, you know, to be this helpful. And that's it. Bon, ben voilà. À plus tard.